Bonjour, je suis Philippe Postel, je suis enseignant-chercheur, maître de conférence à l'université de Nantes, dans le laboratoire qui s'appelle L'Antique, le Moderne, donc dans cette université. Je vais vous faire part de un peu mon expérience de chercheur. Je suis spécialiste en littérature comparée du domaine chinois. Et donc, je ne me suis pas tout de suite intéressé à ce qui va faire le sujet de cette conférence, à savoir la poétique du roman sentimental en Europe et en Chine. Donc, je vais auparavant expliquer un petit peu le chemin qui m'a conduit en fait à circonscrire plus précisément ce sujet. Donc, je suis parti en fait d'une thèse sur Victor Ségalen. Victor Ségalen est donc un auteur du XXe siècle, relativement connu aujourd'hui, qui est connu pour en particulier avoir publié en 1912 ce recueil de poèmes qui s'appelle Stèle. Donc je suis parti de ce travail. Je suis toujours en fait occupé à travailler sur Victor Ségalen à divers titres. Donc j'ai publié plusieurs ouvrages. Un premier ouvrage qui concernait Victor Ségalen et la statuaire chinoise, qui résultait de mon travail de thèse, donc en 2001, pardon. Et puis, 10 ans après, donc j'ai publié l'édition critique d'un des ouvrages de Victor Ségalen, qui est l'aboutissement de ses missions archéologiques, Chine, la grande statuaire. Et je continue à superviser en fait la publication des œuvres complètes de Victor Ségalen chez cet éditeur Honoré Champion. Par ailleurs, pour terminer sur Victor Ségalen, puisque c'est quand même toujours l'objet d'une partie de mes recherches, nous avons entrepris la reprise des cahiers Ségalen qui existaient autrefois et dont voici le nouveau numéro 1 intitulé Le mythe de la Chine impériale. Alors, je continue à travailler sur Victor Ségalen. Néanmoins, je me suis un petit peu éloigné de ce domaine-là. Parce que naturellement, cela m'aurait conduit probablement à travailler dans un domaine de la littérature comparée qu'on appelle l'imagologie, et qui consiste à étudier la façon dont se représente, dont un certain nombre d'écrivains se représentent des pays étrangers, en l'occurrence la Chine, dans par exemple des récits de voyage, dans des romans, etc. Or, il me semble que précisément Victor Ségalen a écrit un contre-récit de voyage dans cette tradition étudiée par l'imagologie, qui est équipé. Il a écrit aussi une espèce d'anti-roman exotique qui est ici sur l'écran, René Lès. Donc paradoxalement, c'est un peu par fidélité à Victor Ségalen que je me suis éloigné de ce qui aurait dû être finalement le domaine de recherche spécialisé dans lequel j'aurais dû travailler, pour entreprendre en fait, pour m'engager sur d'autres voies. Alors c'est à la faveur de colloques, de journées d'études, que je me suis intéressé à, enfin je me suis posé la question de l'universalité des genres littéraires, au moins à propos de deux genres, en premier lieu, avant le roman. Tout d'abord, le genre un peu particulier qui est l'élégie, à travers deux figures de l'Antiquité. L'Antiquité chinoise, c'est le poète qui s'appelle Xu Yuan, qui se trouve ici sur la droite de l'écran, qui est un poète du IVe siècle avant Jésus-Christ. Et du côté, donc, dans la Rome antique, le poète Ovide. Tous les deux, en fait, ont connu une même situation politique, qui est celle de l'exil. Et cette situation a donné lieu pour chacun des deux à un long poème, plus long du côté d'Ovide que de Xu Yuan. Et donc je me suis intéressé à la façon dont ils allaient construire ce poème, qu'on va ensuite appeler dans le discours critique une élégie. Et pour m'apercevoir qu'en effet il y avait des logiques communes de part et d'autre, alors qu'il s'agissait finalement de deux auteurs qui, évidemment, ne se sont pas influencés mutuellement. J'ai fait un peu le même travail à propos de l'épopée. L'épopée, évidemment, dans la tradition occidentale, conçue largement, mais aussi, il n'y a pas d'épopée en Chine, en tout cas, on n'utilise pas ce terme, mais il peut y avoir un équivalent assez éloigné, à travers les romans historiques, en particulier le roman des Trois Royaumes.
Et donc, le travail précisément consistait à voir quels étaient les écarts, les convergences entre ces deux formes. Alors ensuite, je me suis tourné vers le roman, sans doute pour diverses raisons. Donc là, je commence véritablement, j'aborde le sujet que j'avais annoncé, poétique du roman sentimental. Je me suis réorienté vers le roman. Une première raison, probablement, c'est que les définitions classiques du roman définissent le roman comme finalement le roman d'amour, le roman des aventures amoureuses. Donc ici, je cite trois définitions classiques, celle de Pierre-Daniel Huet dans son traité de l'origine des romans, 1670. Le roman est une aventure amoureuse et on aura les mêmes définitions orientées vers la thématique sentimentale chez Furtière ou chez un siècle presque, enfin au siècle suivant, au XVIIIe siècle, chez l'Anglais Dufresnoy. Il consacre un chapitre entier dont le titre est « L'amour, caractère essentiel d'un roman ». Il y a sans doute une autre raison, c'est que dans le domaine chinois, les premiers romans à être traduits dans les langues européennes sont des romans sentimentaux, des romans d'amour. Donc cela m'a amené à étudier plus précisément ce domaine-là. Alors, je présenterai cet exposé en trois temps. Le premier temps, précisément, sera d'envisager en fait les traductions des romans sentimentaux chinois, donc tout ce que l'on appelle en littérature comparée l'étude des traductions. Ensuite, je verrai dans un deuxième temps le point de vue de la poétique du roman sentimental, indépendamment des rapports d'influence ou des rapports historiques dont relèvent encore les études de traduction. Et puis, dans cette poétique du roman sentimental, je verrai le roman sentimental abordé en lui-même, en synchronie, c'est-à-dire comme une photo instantanée. Et puis, j'aborderai le roman sentimental en diachronie, dans son évolution dans le temps. Alors, l'étude des traductions, à partir du XVIIIe siècle jusqu'au XXe siècle, ou XXIe siècle, enfin jusqu'au XXe siècle en ce qui concerne le domaine des romans chinois, je suis parti de cette date, c'est la date que j'avais indiquée dans le petit chapeau que j'avais envoyé pour la conférence, c'est la date de 1761. Une date en effet intéressante parce que c'est la date à laquelle est publiée la première traduction intégrale d'un roman chinois dans une langue européenne, c'est l'anglais. C'est aussi la date à laquelle est publiée la nouvelle Héloïse de Rousseau, qui est considérée souvent, probablement à tort, enfin partiellement à tort, comme l'exemple même du roman sentimental. Alors en réalité, si l'on fait un examen plus approfondi, on se rend compte que cette date de 1761 est un petit peu trompeuse, dans la mesure où il y a une traduction au moins avant 1761. En effet, mes recherches m'ont amené à découvrir à la Bibliothèque nationale qu'un certain Arcade Huang, qui est un Chinois converti par les Jésuites au tout début du XVIIIe siècle, ramené par les Jésuites en Europe, dans un esprit qu'il faut remettre dans un contexte qui est celui de la querelle des rites, et donc l'espèce de dispute qu'il y a entre le pape et puis la compagnie de Jésus. Donc on voulait ramener ce jésuite chinois en Europe pour prouver, grâce à ce chinois, que la méthode des jésuites fonctionnait. Alors notre Arcade Huang, en réalité, quand il est arrivé en France, a rapidement choisi de ne pas embrasser, comme cela a été prévu par ses guides jésuites, la carrière ecclésiastique. Et il a entrepris en fait une carrière de scientifique. Il est devenu, comme on le sait peut-être, l'interprète de Louis XIV et surtout, à ce titre, responsable des manuscrits chinois à la Bibliothèque royale à l'époque. Or, donc, je disais, dans mes recherches, j'ai découvert parmi les manuscrits inédits donc de Arcade Huang qu'il avait entrepris une traduction d'un roman chinois, certes partiel, les trois premiers chapitres d'un roman qui s'intitule, en français, on l'a traduit ainsi, « Les deux cousines ».
Donc c'est assez émouvant, on va voir tout à l'heure un exemple de sa traduction. Or, Arcade Huang est mort en 1716, hein, de façon prématurée. Donc, cocorico, on peut dire que la première traduction en langue européenne n'est pas anglaise, mais française, mais peut-être qu'on découvrira probablement d'autres traductions dans d'autres langues. Alors, le premier temps, en fait, de l'étude des traductions, c'est en effet de répertorier les traductions existantes, en l'occurrence dans les langues européennes. Donc, j'ai fait un petit tableau. On a une quinzaine de traductions dans toutes les langues européennes. En tout cas, c'est ce que j'ai repéré jusqu'à présent. Quatre traductions en anglais. Donc, on en a sept en français, deux en allemand, une en néerlandais. Mais en réalité, cela correspond à véritablement quatre traductions intégrales, parce qu'il faut compter avec les retraductions et avec les traductions de traduction. Donc, ce sont deux premières spécificités en fait de la traduction probablement du chinois vers les langues européennes. La première spécificité, c'est qu'on fait des traductions de traduction, probablement parce que la langue est mal connue, bien sûr. C'est encore le cas aujourd'hui, hein. Il y a même des auteurs contemporains qui sont traduits de l'anglais, alors qu'ils sont originellement chinois. Donc je donne un exemple de traduction de traduction. La traduction historique, donc en anglais, de ce roman qui s'appelle en chinois Hao Qiujuan, traduit donc en anglais The Pleasing History, a été traduit presque immédiatement 5 ans après en français, mais à partir de l'anglais, bien entendu, par un polygraphe qui s'appelle Marc-Antoine Eidousse, assez bien traduit, de façon intégrale, traduit également en allemand. Je n'ai pas la couverture, le frontispice de l'ouvrage, et puis c'est encore cette traduction anglaise qui a servi pour la traduction en néerlandais, ça on le sait. Il y a ensuite le phénomène de la retraduction, c'est la deuxième spécificité. Alors là, c'est dû au fait probablement que un traducteur d'une nouvelle génération veut prouver en fait qu'il fait mieux que son prédécesseur. Je l'interprète ainsi. En tout cas, c'est tout à fait le cas pour ici cet exemple. On a une première traduction par Jean-Pierre Abel Rémusat en 1826 de ce roman qu'avait commencé à traduire Arcade Huang. Plus d'un siècle avant, en réalité. Mais là, c'est une traduction intégrale, et on verra aussi que c'est une traduction de bien meilleure qualité sur le plan scientifique, mais peut-être pas d'assez bonne qualité pour le successeur de Abel Rémusat à la chaire de chinois du Collège de France, Stanislas Julien, qui, en 1860 ou 1864, a repris en fait le texte chinois pour le retraduire. C'est un geste qui signifie, voilà, je fais mieux que mon prédécesseur. On verra aussi que c'est grâce à un certain nombre d'outils dont il disposait. On peut prendre un autre exemple rapidement, qui est celui que nous avons cité tout à l'heure pour les traductions de traductions. La traduction anglaise de 1761 de Thomas Percy et de James Wilkinson, je ne rentre pas dans les détails. A donné lieu à des retraductions à partir de l'original. En anglais, en 1829, c'est The Fortunate Union par John Francis Davis. En français, en 1842, par un certain Guillard Darcy, la femme accomplie. En 1925, par Georges Soulier de Morand, La brise au clair de lune. Les titres changent, mais c'est le même roman. Et puis en allemand, probablement, est-ce une véritable retraduction? Il faudrait peut-être vérifier ce point-là, par Franz Kuhn, qui est un traducteur qui va s'illustrer dans les années 30, donc Eisherz und Edeljaspis, qui est le même roman aussi, hein. Donc on voit ce phénomène de la retraduction qui n'exclut pas en fait le fait que ces retraducteurs se servent évidemment des traductions précédentes. Donc ils ne part, ils part, ils repartent certes de l'original. Mais il y a quand même une part de. Ils se servent, ils s'appuient sur le travail de leurs prédécesseurs aussi. Donc, repérer les traductions et relever ces phénomènes spécifiques, peut-être à la traduction venant du chinois. Il y aurait une troisième spécificité en Europe au XIXe siècle, puisqu'en fait, on ne traduit plus ces sortes de romans au-delà de 1900, donc de 1927. La troisième spécificité, c'est la rivalité
entre les Anglais et les Français. C'est-à-dire qu'il y a deux traditions sinologiques assez distinctes, dues à deux contextes assez différents, entre les Anglais et les Français. Les Français bénéficient de leur présence en Chine dès le XVIIe siècle, et donc sont vus par les Anglais longtemps comme la référence en matière de sinologie, mais c'est une sinologie jésuite. Les Anglais, par contre, dès la fin du XVIIIe siècle, s'installent pour créer du commerce, en particulier dans le sud de la Chine. Et donc c'est par le biais de la compagnie anglaise des Indes orientales qu'ils vont produire ce travail de traduction. Au XIXe siècle, la sinologie qui va succéder à la sinologie jésuite, c'est la sinologie laïque. Et ces sinologues, j'ai cité tout à l'heure Abel Rémusat et Stanislas Julien, ces sinologues ne sont jamais allés en Chine. Donc on va avoir une autre opposition entre des sinologues en chambre, on va dire, certes très expérimentés et très savants, et puis des sinologues de terrain que sont des sinologues anglais, par le biais de Canton et de Hong Kong en particulier. Donc il va y avoir une espèce de jeu, je traduis un premier roman, et puis il va y avoir une réponse du berger à la bergère, c'est-à-dire que si le français a produit par exemple Abel Rémusat en 1826 sa traduction des deux cousines, qui a eu un retentissement énorme en fait hein, dans l'Europe et même aux États-Unis de cette époque-là. Il va y avoir une réponse en 1829 de Francis Davis, qui sera par la suite gouverneur de Hong Kong. Donc il y a ce petit jeu en fait de réponse entre les Anglais et les Français. C'est une troisième caractéristique. Il y a dans les études de traduction un autre aspect qui est plus technique, c'est de se demander comment on traduit ces textes chinois. Alors cette façon de traduire dépend en grande partie des outils dont disposent les traducteurs. Lorsque Abel Rémusat, dans les années 1820, commence à traduire, il n'a rien à sa disposition, puisque ce qui précède, ce qu'on a fait avant l'époque de Rémusat, ce qu'ont fait les sinologues jésuites, ce sont en effet des dictionnaires, des grammaires, mais qui ne sont pas publiés, qui sont à usage interne à l'intérieur du cercle des jésuites. Donc il faut, il l'explique d'ailleurs Rémusat lui-même, il faut constituer ses propres lexiques, ses propres dictionnaires. Alors il y a ici deux dates à retenir. C'est le dictionnaire chinois-anglais, fait donc par une équipe de sinologues anglais, et qui paraît entre 1815 et 1823, qui va vraiment marquer, en fait, qui va fournir un outil pour traduire le chinois. Et puis, la grammaire de Abel Rémusat de 1822, qui là aussi va permettre à d'autres traducteurs, après il y aura bien sûr d'autres grammaires, mais c'est la première grammaire, on va dire, moderne du chinois. Alors, au-delà de cet aspect technique, j'avais proposé peut-être... on peut prolonger cet aspect technique, ce qui va permettre de comparer en fait les traductions. Je vais peut-être rapidement, on voit ici le début en fait du chapitre 1 de ce roman qui s'appelle Les deux cousines, donc en chinois et la traduction littérale que je lis. Le titre du chapitre 1, c'est une jeune lettrée remplace son père pour composer un poème. L'histoire raconte que dans les années Zheng Tong, il y avait un haut magistrat du bureau des cérémonies, chargé des examens impériaux, qui s'appelait Pai, se prénommait Swan, avait pour nom littéraire Tai Swan, et dont la famille était de Tinlin, c'est-à-dire Nankin. Comme Wang Zhen avait pris le pouvoir, il avait raccroché son bonnet de mandarin et était retourné dans son pays. Donc c'est une traduction littérale. Hein. On va voir comment traduit Arcade Huang, donc la première traduction. C'est un chinois, donc c'est tout à fait particulier et très intéressant. Il n'utilise par exemple pas de ponctuation, qui n'existe pas à cette époque-là en Chine, en chinois. Et évidemment, il fait beaucoup d'erreurs, non seulement d'orthographe, mais de syntaxe. Hein. Sous le règne de Tamin, du temps de l'empereur Qin Tan, il y avait dans la ville de Qinlin un docteur lettré nommé Pei, qui était parvenu à la charge de Tai Shan. Son nom de charge s'appelle Huan, et son nom d'honneur Tai Huan. Or, dans ce temps-là, il y avait un méchant eunuque qui s'appelle Van Qin, avait abusé, on voit l'erreur de syntaxe, la faveur de l'empereur. C'est pourquoi ce docteur P laissa son bonnet de charge à la cour à cause de la malignité de l'eunuque et s'en retourna dans son pays. Ce qu'on peut dire, en plus des erreurs, c'est que
ici, le traducteur ressent le besoin d'ajouter, en fait, hein, d'expliciter la traduction. C'est un petit peu aussi ce que va faire Abel Rémusa, mais dans une compréhension évidemment une meilleure compréhension du chinois, mais dans une compréhension meilleure du français. On raconte que dans les années de la droiture universelle, il y avait un lettré qui occupait une grande charge de magistrature. Son nom de famille était Pei, son surnom Huan et son nom d'honneur Tai Huan. Il était d'une famille de Qinlin ou Nankin. C'était le temps où le nuque Wangqin avait en quelque sorte usurpé l'autorité impériale. Pei, ne pouvant se prêter à de tels excès, avait quitté ses emplois et s'était retiré dans son pays natal. Enfin, on peut voir la traduction de 1864 de Stanislas Julien, qui sera plus littérale et qui va éviter de donner trop d'explicitations. Sous le règne de l'empereur Cheng Tong, vivait un docteur qui était président du bureau des cérémonies. Donc, on a étudié tous les titres, hein, entre l'époque de Jean-Pierre Abel Rémusat et Stanislas Julien. Donc, on peut donner une expression bien précise pour définir le titre qu'occupe ce personnage, président du bureau des cérémonies. Son nom de famille était Pei, son nom d'enfance, Huan, et son nom honorifique, Tai Yuan. Il était originaire de Qinling, Nankin. Wang Qing s'étant emparé du pouvoir, il quitta sa charge et s'en revint dans son pays natal. Vous voyez que Stanislas Julien ressent même le besoin de mettre entre parenthèses ce qu'il ajoute et qui est absolument nécessaire pour comprendre la phrase en français. Donc, quelque chose qui relève de cette volonté d'être absolument exact. Alors, justement, on va voir cela dans cet avant-dernier point de l'étude des traductions. Au-delà de l'aspect technique, ce qui est intéressant, c'est aussi de voir que la façon de traduire est indissociable de ce qu'on peut appeler une esthétique de la traduction, c'est-à-dire de ce que l'on attend en fait, d'une traduction selon les époques. Et en effet, on pourrait distinguer plusieurs phases du point de vue de cette histoire du goût de la traduction, plusieurs phases dans les traductions du chinois vers le français. Une première phase serait non pas exactement celle des Belles Infidèles hein, au XVIIIe siècle, parce que dès les premières traductions, la traduction anglaise par exemple de 1761, on a quand même le souci d'être exact, et puis surtout on a le souci de, par le jeu des notes qui sont abondantes en fait, accompagnant le texte, on a le souci de transmettre à travers le roman un système de civilisation, hein, un système culturel qui est celui de la Chine. Donc c'est cette première phase où certes on traduit de façon un peu approximative, on n'a pas de scrupule à couper certains passages, à s'accommoder avec l'original. Une deuxième phase qui est celle qu'on a vue par exemple avec Stanislas Julien à l'instant, qui est une phase où on va vouloir absolument s'approcher d'un idéal de la traduction, de la traduction littérale, avec un souci de l'exactitude extrême. S'ajoute dans cette deuxième phase un souci qui est celui d'enseigner le chinois. En fait, ces traductions sont explicitement conçues comme étant destinées à des étudiants de chinois. Et donc, on va, par exemple, en note, donner les traductions littérales de certaines expressions qu'on n'a pas osé traduire telles quelles dans le texte lui-même. Et puis, il y a une troisième phase à partir de la fin du XIXe siècle où on cherche à tout prix à créer un dépaysement chez le lecteur. Donc, on va trouver des moyens de traduire qui provoquent cet effet exotique, hein, un petit peu systématique. On peut le voir à travers ces exemples. Ici, j'ai pris juste une phrase d'un roman, qui est le roman Hao Qiujuan. Shui yun tian ping xin xiao qie shuo de zhan ting qie qie. C'est cette expression sur laquelle on va revenir qui donne lieu à des traductions. Zhi dao cuan ta pu tong. Donc littéralement, Shui yun, c'est le nom du personnage. Littéralement, ça signifie au transport. Transport, c'est le prénom. O, c'est le nom de famille. Voyant que Mademoiselle Bingxin, littéralement, le nom signifie cœur glacé, parlait comme si elle coupait des têtes de clous et tranchait du fer. C'est l'expression toute faite chinoise que l'on a donc ici. Janting tie tie. Compris qu'il ne parviendrait pas à la convaincre. Évidemment, ça, c'est la traduction littérale. Qu'en font les différents traducteurs? Le premier traducteur anglais va dire « these words », c'est-à-dire les paroles
que vient de prononcer Bingxin, seemed to Shui Guwin, Shui Yun, like the keen edge of swords dividing an iron bar. Alors, on a essayé de conserver l'image. C'est dire que là, on est quand même dans une traduction presque littérale. Mais on n'a pas tout à fait compris, en fait, le sens de l'expression. Davis va la comprendre davantage, mais il va effacer l'image, ce qui se comprend sur le plan linguistique, puisque du point de vue chinois, la charge métaphorique de l'image en chinois n'est pas forcément opératoire. Hein. C'est une métaphore éteinte. Donc Davis propose cette traduction en 1829. Shui Yun now perceived that all his attempts to persuade her were vain. On n'a plus du tout d'image. Le traducteur français de 1842 va proposer un petit peu l'équivalent, mais un petit peu différent aussi. Shui Yun, voyant Bingxin réfuter ainsi toutes ses objections et rester inébranlable, l'exhorta à se calmer. L'image est effacée, mais Guillard Darcy a conservé quelque chose du chinois qui est le rythme. Parce qu'en fait, l'expression chinoise est constituée de deux fois un verbe et un complément d'objet. Hein. Donc on l'a en traduction, couper des têtes de clous et trancher du fer. Et cela est repris dans réfuter ses objections et rester inébranlable. Et puis, il y aura, dans cette phase que j'ai appelée exotique de l'esthétique des traductions, Soulier de Mourant en 1925 va proposer une traduction assez surprenante. Mais c'est précisément le but de surprendre et de choquer le lecteur. Il traduit les noms de famille, envahisseur pour Shui Yun, on ne comprend pas trop pourquoi, s'aperçut que cœur de glace pour Bingxin parlait assez durement pour couper des clous et trancher du fer. Donc on voit qu'il y a en effet une esthétique des traductions. Cette étude des traductions peut enfin se prolonger par une étude de la réception de ces traductions. En effet, on pourrait étudier, par exemple, le compte-rendu que fait Melchior Grimm dans la correspondance littéraire en 1763 de la traduction anglaise de 1761, un point de vue encore assez circonspect. Hein. Il reconnaît que ce roman permet de connaître la Chine de l'intérieur, mais il ne met pas la littérature chinoise romanesque au niveau de la littérature européenne. Donc Melchior Grimm est encore assez à distance de cette littérature chinoise. Ce ne sera pas le cas de Goethe en 1827 dans les conversations avec Eckermann. C'est un passage assez connu, en tout cas des sinologues ou des comparatistes. Goethe en 1827 dit avoir lu donc des romans chinois et s'enthousiasmer pour cette littérature romanesque. À la fin du 19e siècle, on va avoir des comptes rendus dans les revues critiques beaucoup moins enthousiastes, et ces romans d'amour vont plutôt tomber des mains en fait, des lecteurs. Donc on va dire, par exemple, dans la revue critique des livres nouveaux en 1861, qui rend compte de la traduction, une traduction de Stanislas Julien, d'un autre roman qui s'appelle « Les deux jeunes filles lettrées », on va lire que c'est bien de faire des traductions comme ça, mais c'est pour les sinologues, mais c'est pas tellement pour les lecteurs. Enfin, au XXe siècle, ce type de roman va être déconsidéré. On peut citer par exemple Paul de Miéville, qui est un très grand sinologue de ces années 1960, qui va reléguer en fait ses romans dans ce qu'il appelle les romans à l'eau de rose. Bon, un mouvement un petit peu inverse s'opère, venant d'ailleurs de Chine et de Taïwan, qui consiste à réhabiliter ce genre de roman. Donc on voit que les études de traduction, c'est un champ très vaste, en fait, ce rapport hein, entre le roman sentimental chinois et le roman sentimental européen. Mais pour moi, il s'agit d'un préalable à ce que j'appelle la poétique du roman sentimental, qui va consister à prendre les deux objets, le roman sentimental chinois, le roman sentimental européen, les deux objets qui ne connaissent pas en fait, de lien historique ou factuel entre eux, essayer de voir si en fait, ils fonctionnent de la même façon, s'ils répondent aux mêmes logiques. Donc j'aborde ce point, qui est donc la poétique du roman sentimental, en commençant par un préalable de nature terminologique. Évidemment, quels sont les mots qu'on va employer pour désigner ce type de roman? Les Chinois n'utilisent pas notre expression de roman sentimental, ils utilisent une autre expression. C'est-à-dire qu'on est face à un problème. Chaque
tradition critique à développer son propre vocabulaire, lequel choisir? Alors, je propose une méthode qui consiste à examiner précisément l'histoire de ce discours critique dans chacune des deux traditions. Au bout de cet examen, en fait, comparer des discours critiques, on peut voir par exemple que l'expression en français « roman sentimental » apparaît au XIXe siècle, donc finalement après ce qu'on entend généralement par « roman sentimental » qui couvre plutôt la période du XVIIIe siècle. Du côté chinois, il y a donc en fait un long processus qui part du roman lui-même, le roman sentimental, ce que j'appellerai par la suite roman sentimental, où apparaît cette expression « Cai zi jia ren », littéralement « le lettré et la belle », ici traduit par « ce jeune homme plein de talent et cette jeune fille d'une beauté accomplie ». Donc dans le roman lui-même, on utilise cette expression, mais pour diverses raisons, en particulier au fait que la tradition critique du roman en Chine est très très tardive, ou en tout cas ne se présente pas de façon autonome comme dans notre propre tradition, il faudra attendre le début du XXe siècle avec Lu Xun pour avoir une expression qui va peu à peu se stabiliser dans le discours critique chinois. C'est celle de « Cai zi jia ren zhi shi », « Histoire de la belle et du lettré », et aujourd'hui on parle couramment de « Cai zi jia ren xiao shuo ». Donc on a deux expressions, roman sentimental, qui ont été stabilisées dans le discours critique européen, et puis « Cai zi jia ren xiao shuo » du côté chinois. Donc on est face à un choix qui est triple, me semble-t-il. Soit on prend une expression, roman sentimental, soit on prend l'expression chinoise « roman de la belle et du lettré », soit on invente une troisième expression. Alors je pense qu'il faut avoir du bon sens. En l'occurrence, moi j'ai choisi l'expression occidentale pour l'appliquer à l'ensemble des formes, qu'elles soient chinoises ou européennes, en ayant en tête ce souci de la généralité, c'est-à-dire que si on retenait l'expression « roman de la belle et du lettré », on aurait quelque chose de beaucoup trop particularisant. Ce serait à l'inverse choisir « roman picaresque », qui fonctionne de la même façon, c'est-à-dire on prend le nom qui désigne un type de personnage pour désigner un genre romanesque, et appliquer cette expression de roman picaresque au domaine chinois, donc ça n'irait pas non plus. Étant entendu que ces dénominations de genre sont de toute manière des constructions du discours critique, hein, je ne fais pas du tout d'essentialisme, bien entendu, des constructions du discours critique, et qui plus est, des constructions a posteriori, après la production littéraire lui-même. Alors, pour aborder la poétique du roman sentimental, je propose deux axes. Tout d'abord, aborder le roman sentimental en synchronie, c'est-à-dire faire une espèce de coupe, hein, du roman sentimental pour voir si la forme chinoise et la forme européenne se ressemblent, tout simplement. Pour cela, je propose de définir en fait des critères qui vont définir en fait le roman sentimental à la fois dans l'une et l'autre tradition. Le premier critère que je propose en m'inspirant de Gérard Genette et de la réflexion qu'il a menée à propos du genre, c'est un critère modal. C'est-à-dire, est-ce qu'on va ranger le roman sentimental, ce sera assez facile, la réponse sera facile à apporter, dans le mode narratif, dans le mode discursif ou dans le mode dramatique? C'est évidemment dans le mode narratif, lié à la troisième personne, mais il faudrait dire immédiatement que dans le roman, que ce soit dans la tradition chinoise ou dans la tradition européenne, le roman accueille également le mode dramatique à travers les conversations et les dialogues. On loue souvent ces romans sentimentaux, que ce soit en Europe ou en Chine, pour leur dialogue. Et d'autre part, ces romans accueillent aussi le mode discursif, c'est-à-dire l'expression de la première personne. Alors c'est absolument le cas du roman sentimental européen, puisqu'on peut même dire que le roman sentimental européen est une espèce d'hybridation entre le mode narratif et le mode discursif. Si on pense à Pamela, il s'agit de lettres, Pamela de Richardson, en 1740. Il s'agit de lettres puis d'un journal. Les romans de Marivaux, en particulier La vie de Marianne, c'est un roman à la première personne, etc. Dans la tradition chinoise, il y a aussi, parfois, et de façon plus rare, bien entendu, l'emploi de cette première personne. Il y a un cas qui est un roman qu'on pourrait traduire par le papier fleuri, papier à lettres fleuri,
Les personnages, alors c'est un roman à la troisième personne, mais les personnages prennent très souvent la parole pour se lamenter sur leur sort malheureux d'amoureux, voilà, non satisfaits dans leur aventure amoureuse. Ce qui est intéressant, c'est que, à la différence du roman occidental, dans ce cas-là, lorsqu'il y a un mode discursif dans le roman chinois, il est subordonné en fait à la troisième personne. Hein. Donc il n'y a pas une autonomie en fait de la première personne hein, dans le roman chinois. D'autre part, ce roman chinois, je l'appelle roman, mais les Chinois ne le considèrent pas comme un roman. Hein. C'est un roman en vers et qui est rangé par les Chinois, par le discours critique chinois, comme étant une ballade. Donc, on peut se dire que la tradition critique chinoise ne parvient pas à identifier roman et première personne, en gros. Le second critère qui va permettre de définir le roman sentimental, c'est un critère thématique. Donc là, pas de surprise, je suis presque tautologique, le registre va être sentimental. Mais on entend par sentiment tout ce que l'on entend à partir du XVIIIe siècle, hein, avec cette richesse en fait, que comporte ce mot dans cette... à la fois en littérature et en philosophie, au XVIIIe et au XIXe siècle. Du côté chinois, il existe un petit peu la même évolution à travers la notion de Qing, qui en effet fait l'objet d'une valorisation autour du XVIIe, XVIIIe siècle. On le voit notamment à travers un célèbre écrivain ou compilateur ou polygraphe qui s'appelle Feng Menglong et qui a fait une anthologie qui s'appelle Qing She, c'est-à-dire Histoire du Qing, Histoire du sentiment, Histoire des sentiments. Et dans la préface de cette anthologie, il écrit ceci Liu Qing Tiei Qing Tiao Ye. Liu Qing, donc les six classiques, se conforment tous à l'école du sentiment. Donc on a une valorisation de ce Qing, puisqu'on va même dire que les six classiques, c'est-à-dire le cœur même de la culture confucéenne, en fait, c'est une révélation, renvoie à cette notion du sentiment. C'est dire qu'à l'époque, hein, à cette époque-là, 17e, puis ensuite au 18e siècle, le sentiment est au centre en fait, d'un certain courant de la pensée chinoise. Il va dire aussi « Tien di zhuo wu xing, pu sheng yi qie wu ». Donc si dans la terre et le ciel il n'y avait pas le Qing, donc si dans l'univers il n'y avait pas le sentiment, eh bien aucun être, rien n'existerait sur terre. Donc tout vient du sentiment. Ici ça fait presque référence à des formules taoïstes qui précisément associent le Tao comme étant l'origine de tous les êtres. Donc ici, le Qing devient presque l'équivalent du Tao, en tant qu'origine de ce qui existe. Néanmoins, il ne faut pas se hâter pour rapprocher en fait, des notions comme sentiment et Qing. Si on analyse les choses de façon plus approfondie, on se rend compte que le Qing chinois n'est pas exactement l'équivalent du sentiment européen. Hein. On le voit à travers une autre citation de cette préface où Feng Menglong dit « Les 10 000 êtres sont comme des pièces de monnaie séparées les unes des autres, que seul le sentiment comme un fil permet de relier les unes aux autres. Une fois les pièces reliées ensemble, seraient-elles éloignées aux deux extrémités du monde, elles forment pourtant une même famille. » En fait, le Qing chinois est indissociable d'une exigence de la tradition confucéenne, et donc de la pensée chinoise, on va dire, courante, qui est les rapports interpersonnels. C'est-à-dire que le Qing chinois ne va pas être orienté vers l'expression individuelle, mais plutôt il va être, j'allais dire récupéré, c'est peut-être un point de vue occidental, mais il va être replacé dans une logique confucéenne qui est celle des relations interpersonnelles. Donc le Qing, le sentiment, c'est ce qui permet de lier un individu avec un autre, alors que nous, on aurait tendance à dire que le sentiment, c'est ce qui permet à un individu de s'exprimer face aux autres. Donc, ce n'est pas exactement la même chose. Et c'est l'intérêt, en effet, de la réflexion comparatiste, de marquer, en fait, ces différences à l'intérieur de ce qui apparaît, à première vue, comme une ressemblance. Le troisième critère va être un critère formel. Là, je m'inspire plus de Jean-Marie Schaeffer, pour désigner le critère formel comme permettant de
définir le genre du roman sentimental de façon générale. Ce que j'entends par critère formel, c'est à la fois la structure narrative et l'ensemble des motifs en fait, qui vont caractériser le roman sentimental. Alors la structure narrative, c'est la même en effet dans les deux romans. C'est-à-dire que c'est une alternance, on va dire, de disjonction, une disjonction entre les deux amants au départ du roman, puis une jonction, puis une disjonction, puis une jonction, etc. Les deux romans présentent des variantes qui se vérifient donc dans les deux traditions. Par exemple, on peut redoubler la structure narrative, on peut conduire deux histoires d'amour parallèles ou bien en chasser, on le vérifie dans les deux cas. Ce qui est intéressant, c'est de voir qu'il y a parfois des spécificités ou des quasi-spécificités. Par exemple, le roman chinois n'envisagera que très tardivement et à la marge la non-présence de la jonction finale. C'est-à-dire que tous les romans d'amour chinois, en quelque sorte, se terminent bien, happy end, ce qu'on appelle en chinois le tuan yuan, la réunion finale, hein, comme dans une comédie. Or, nous, dans notre tradition, on a évidemment ces histoires qui finissent mal, les histoires d'amour finissent mal, si l'on pense eh bien à Tristan déjà, ou bien à la nouvelle Héloïse, ou bien à la princesse de Clèves, etc. Donc il y a peut-être des spécificités, sans faire d'essentialisme encore une fois, hein, parce qu'il y a toujours des contre-exemples en fait, donc il y a plutôt des tendances, on va dire. Du côté des motifs, là aussi il y a des motifs communs, probablement universel, j'y reviendrai peut-être. Par exemple, le motif du mal d'amour, hein, dans les deux romans, dès qu'on tombe amoureux, on tombe malade. Ça, depuis le roman grec dans notre tradition, mais c'est également valable dans les romans d'amour chinois. Par contre, il y a des motifs qui semblent spécifiques. Jamais on n'aurait dans un roman chinois un bal. Or, le bal, c'est un des cadres favoris des romanciers pour favoriser la rencontre, la princesse de Clèves, les romans de Jane Austen, etc. Ce n'est pas possible dans le contexte chinois où prévaut l'exigence de la séparation des sexes, hein, nan nu au biais. Il ne faut pas que l'on se côtoie d'une façon ou d'une autre. En revanche, il y a un motif qui est presque, enfin qui est obligatoire dans le roman d'amour chinois, qui est la réussite aux examens. J'appelle ça « passe ton bac d'abord ». C'est-à-dire que et ça se comprend dans le contexte chinois parce qu'il y a cette tradition des examens. Pour devenir un bon chinois confucéen, il faut passer les concours mandarinaux pour rentrer dans la fonction publique. Donc c'est le modèle qui se retrouve évidemment dans ces romans. Je termine sur le roman en synchronie pour insister sur cette notion d'hybridation que nous avons vue à propos du premier critère, c'est-à-dire le critère modal, narratif, mais aussi discursif et dramatique. En fait, ce phénomène d'hybridation, il est valable pour tous les romans. Aucun roman n'est purement un roman sentimental, parce que vous avez une thématique, par exemple, vous avez une thématique martiale ou même guerrière qui peut se mêler, et c'est des sous-courants, on va dire, du roman sentimental, à la thématique amoureuse proprement dite. Hein. Et cela se vérifie dans les deux traditions aussi. Néanmoins, on peut essayer de construire consciemment, sans imaginer qu'il s'agit de quelque chose qui correspond à la réalité effective, mais on peut construire des modèles de roman sentimental, c'est-à-dire, comme on parle de modèles en science, on peut construire des modèles du roman sentimental chinois, du roman sentimental européen, et peut-être un modèle du roman sentimental général, sans s'imaginer, encore une fois, que ce modèle sera vérifié tel quel, évidemment, dans la réalité. Il s'agit de tendances. Je terminerai par le roman sentimental en diachronie. Alors, en fait, on a parlé jusqu'à présent du roman sentimental en évoquant diverses périodes en fait, de l'histoire littéraire, ce qui pourra peut-être heurter certains spécialistes. J'ai parlé de Tristan, comme je parle de La vie de Marianne. Donc, c'est que je prends la notion de genre comme une catégorie qui n'est pas restreinte à une époque, parce que le discours critique en aurait décidé ainsi, mais je prends la catégorie de genre comme, en fait, une catégorie qui va connaître au fil
du temps, des transformations, des manifestations, des phases de latence, des émergences, des résurgences. Hein. Et donc, de ce point de vue-là, on peut considérer que le genre roman sentimental, par exemple, dans le domaine européen, connaît des phases de manifestation. Là, c'est plus une approche finalement chinoise. Hein. Je ferai alterner des phases de manifeste et de latent avec le roman grec. Ensuite, le roman grec, donc à l'époque hellénistique. Ensuite, avec le roman byzantin, ou on veut dire 12e, 13e siècle. Puis, on aura à la Renaissance une réémergence de ce roman sentimental, dans le domaine européen, j'entends, qui va ouvrir en fait une phase qui va se terminer au 19e siècle, hein, probablement. Donc, qui va durer assez longtemps. Du côté chinois, on a probablement une première phase de manifestation sous les Tang, à travers une forme relativement brève qui est la nouvelle des Tang, donc au 8e siècle. Et puis, il y aura surtout une phase qui est le 17e et le 18e siècle, qui correspond à ce que la critique appelle le roman de la Belle et du Lettré. Alors, cette approche du genre en diachronie va permettre de poser des questions et peut-être d'apporter quelques réponses, d'essayer d'apporter quelques réponses. J'évoquerai rapidement le type de questions que je me suis posées. Première question qu'on peut se poser, est-ce qu'un genre, en l'occurrence le roman sentimental, se constitue, advient en fait à un état manifeste, on va dire, en fonction d'un modèle étranger. Il semble que ce soit souvent le cas dans l'histoire de la littérature européenne. Hein. Par exemple, on sait que les romans grecs ont été traduits à la Renaissance, à partir du XVIe siècle, ce qui a favorisé une espèce de renaissance du roman sentimental dans l'Europe de la première modernité. Hein. Ensuite, il y aura le modèle anglais, bien sûr. Avant cela, il y a le modèle italien et espagnol. Par exemple, on sait que ce qu'on considère comme le premier roman sentimental français d'Élisène de Crène est une espèce est inspiré par la nouvelle de Boccace, enfin le roman de Boccace qui s'appelle Fiammetta. Donc le modèle italien, il y a un modèle espagnol également. Tout cela a été depuis longtemps étudié par Gustave Reynier en particulier. Et puis après, il y aura le modèle anglais au XVIIIe siècle. Hein, on connaît Diderot et son éloge de Richardson. Est-ce que cette logique de la constitution du genre, plus exactement de la renaissance du genre, qui fonctionne en Europe, est-ce qu'elle existe en Chine? Là, je constate plutôt une différence presque radicale, parce que probablement due à la taille, tout simplement, du pays. Hein. C'est-à-dire qu'il n'y a pas, la Chine ne va pas puiser à l'extérieur, avant le XXe siècle, bien sûr, hein, ne va pas puiser à l'extérieur des modèles étrangers. Aujourd'hui, dans une république des lettres mondialisée, évidemment, le modèle étranger fonctionne en Chine, mais aussi en Europe. Et ce serait plutôt le modèle américain pour un certain type de roman sentimental, bien entendu. Alors justement, on va en reparler à la fin. Deuxième question que je me suis posée, c'est celle de la transgénéricité, c'est-à-dire est-ce que le genre du roman sentimental ne va pas s'inspirer de genres autres, en particulier le théâtre, mais ça peut être aussi la poésie, pour, alors sinon se constituer, du moins se transformer. Il est certain que la tradition de la lyrique courtoise au XIIe, XIIIe siècle, ou même au XIe, XIIe, XIIIe siècle, va influencer le roman médiéval, hein, etc. Mais c'est bien sûr le théâtre, en fait, qui est en Chine, cette fois-ci, et en Europe, va donner, en fait, au roman sentimental sa structure, va donner aussi au roman sentimental ses personnages types. Par exemple, la servante qui va jouer le lien, qui va faire le lien entre les deux amants, hein, on le voit au théâtre et on le voit dans ce type de roman. Donc c'est une question que je me suis posée et je suis arrivé à la conclusion que les fonctionnements étaient les mêmes en fait, hein, et qu'il y avait une espèce de frontière poreuse entre le théâtre et le roman. Du reste, certains auteurs sont à la fois auteurs de pièces de théâtre, si on pense à Marivaux et auteurs de romans sentimentaux. C'est le cas probablement aussi, parce qu'on a une difficulté du côté chinois pour identifier les romanciers, mais c'est probablement le cas aussi du côté chinois. Enfin, je me suis posé une troisième question, toujours en synchronie. Est-ce que les
processus d'entrée dans une phase de latence sont les mêmes, en fait, dans le cas européen et dans le cas chinois. Alors, grosso modo, oui, c'est-à-dire que dans les deux cas, on peut constater un phénomène de déclassement, c'est-à-dire que le roman sentimental persiste, mais il est à partir de la deuxième moitié du 19e siècle en Europe, et à peu près au même moment d'ailleurs en Chine, déclassé au sens qu'il est exclu en fait de la littérature reconnue, enfin voilà, reconnue comme étant la belle littérature, les belles lettres. Donc on peut le constater dans les deux cas. Deuxième processus de déclassement possible, c'est la parodie. C'est-à-dire que, alors cette fois-ci, beaucoup plus rapidement, un genre comme le roman sentimental, qui va avoir des codes, parce que c'est un genre pur, si on peut dire, dans le sens où il se concentre en fait, hein, très vite il va se formaliser dans une série de codes, et donc il va se prêter à la parodie. C'est le cas, évidemment, en Europe. Dès lors que Richardson a publié sa Pamela, Henry Fielding, dans l'année même de la publication, 1741, publie sa Shamela, pour se moquer du roman dont il ne savait pas d'ailleurs qu'il était de Richardson. Probablement, on a les mêmes phénomènes du côté chinois. Hein, phénomène de parodie qui va transformer ou qui va peut-être, en tout cas, interroger le statut même du genre du roman sentimental. Enfin, il y a un troisième phénomène qui est celui que j'appellerais l'absorption, c'est-à-dire qu'un genre peut être absorbé dans un autre genre. Je crois que c'est le cas aussi dans les deux traditions. Le genre du roman sentimental va être absorbé, et je reviens vers la nouvelle Héloïse, qui n'est pas, pour moi, le roman sentimental par excellence, c'est plutôt l'aboutissement et le dépassement du roman sentimental, puisqu'on a affaire à des romans beaucoup plus complexes, avec une polyphonie, alors que le roman sentimental est plutôt monodique, hein, on va dire, c'est ça l'opposition. Et donc, le roman sentimental va être absorbé, me semble-t-il, dans quelque chose qui le dépasse, qu'on appellerait le roman de mœurs. Un phénomène assez similaire est observable en Chine, avec, dans l'histoire littéraire, le roman qui s'appelle « Le rêve dans le pavillon rouge », qui va inclure en son sein une critique du roman sentimental, mais qui va aussi manifester une espèce de dépassement du roman sentimental dans un roman monde, un roman, ce qu'on appelle un roman de mœurs, beaucoup plus complexe, où la trame sentimentale peut malgré tout figurer. Voilà, alors, sous forme de conclusion, évidemment, on va être amené à se poser la question que je me posais au tout début, c'est-à-dire le caractère universel du genre. Alors, à cette question, est-ce qu'il existe un roman sentimental universel dans tous les pays ? Ma réponse serait la suivante. Je crois qu'il faut distinguer ce qu'on appellerait les invariants littéraires d'invariants anthropologiques. Quand on parle d'universalité, on est plutôt du côté de l'anthropologie, ce qui n'est pas tellement notre affaire à nous, chercheurs en littérature. Tout ce que peut faire un chercheur en littérature, me semble-t-il, c'est en effet d'élargir son champ de recherche, donc à la Chine, pourquoi pas au domaine arabe, etc., pour essayer de construire, non pas de constater, mais de construire, puisqu'il s'agit toujours d'un discours critique qui construit, hein, ses propres objets, de construire des modèles, ce que j'ai appelé tout à l'heure des modèles. Mais ces modèles, d'abord, sont construits, et d'autre part, ils nous conduisent peut-être à formuler des hypothèses d'ordre anthropologique, qui consisterait à dire si on fait le même type de roman sentimental en Chine et en Europe, c'est parce qu'on est fait de la même façon, etc. Hein? Mais il me semble que ce sont des hypothèses qu'on est naturellement amené à formuler, mais qu'on n'est pas en mesure, en tant que chercheur en littérature, de complètement évaluer et maîtriser. Donc ce serait plus une collaboration, on va dire, hein? Une proposition qu'on ferait à des anthropologues qui examineraient ces hypothèses à leur tour. Néanmoins, cette visée universel me semble être indispensable sur le plan intellectuel comme une espèce de condition de possibilité pour pratiquer et pour penser
ce que j'essaye de faire, donc ce que j'ai essayé d'exposer, c'est-à-dire une poétique de la littérature. Voilà, merci. Merci.